Marquer des adversaires en une seule partie. Alors pour réaliser ce défi, vous avez deux solutions. Moi, ce que je vous conseille, c'est de trouver le faucon de reconnaissance que vous voyez juste ici. Vous pouvez le trouver dans des coffres adoubés, dans des coffres normaux. Vous pouvez le trouver posé au sol comme ça sur Fortnite ou dans des ravitaillements. Donc pour vous aider à trouver des coffres adoubés, je vous affiche une map avec tous les emplacements des coffres adoubés de Fortnite. Parce que tout simplement, les coffres adoubés ont de grandes chances de vous donner le faucon de reconnaissance. Ou alors, vous avez une autre solution, c'est de marquer les ennemis avec votre ping. Donc, dès que vous voyez un ennemi, vous faites 2 × X. Enfin, je ne sais pas si ça va vraiment fonctionner. Je pense que oui, hein. Il faut vraiment être dessus, je crois. Je vais essayer avec celui-là. Non, même pas, ça marche même pas, hein. Ouais, donc non, ça marche pas. Ou alors, il faut peut-être utiliser des renforts. Si vous utilisez certains renforts, ça peut fonctionner aussi. Il y a des renforts spéciaux que quand vous utilisez une arme, ça fait en sorte que ça marque l'ennemi si vous le touchez. Donc moi, ce que je vous conseille, bien entendu, c'est de le faire en foire d'empoigne. Comme ça, quand vous allez lancer votre faucon, eh ben, vous allez, même si on vous tue, parce que vous êtes vulnérable, hein, quand votre faucon est déployé, vous êtes vulnérable. Donc quand on vous tue, ben, c'est pas grave, vous allez pouvoir réapparaître et vous allez pouvoir réutiliser votre faucon. Donc là, regardez, je suis en train de marquer les ennemis et ça fonctionne bien. Vous avez juste à les regarder, à les viser et ça marque directement l'ennemi. Alors, faut faire attention parce que votre faucon a une barre de vie. Alors, si la barre de vie explose, enfin arrive à zéro, je ne sais pas si vous pouvez le réutiliser. Par contre, si elle n'arrive pas à zéro, enfin que le faucon ne se fait pas détruire, on va voir si je peux le réutiliser. Je ne suis pas sûr. Là, je crois que c'est quelqu'un qui m'a tué en fait dans la partie. Ouais, c'est quelqu'un qui m'a tué dans la partie. Donc là, je vais pouvoir réutiliser mon faucon. Donc hop, je le relance. Et là, je vais tout simplement remarquer les adversaires. Alors, il faut savoir qu'il faut marquer un total de 10 adversaires en une seule partie. Donc, c'est pour ça que je vous conseille vraiment d'aller en foire d'empoigne pour le faire. Donc là, je suis déjà à 4 sur 10. Et je fais ça en illimité. Mais j'aimerais bien voir. Là, c'est le signal, il est faible. Donc, ça veut dire que je dois retourner dans la zone. Enfin, près de mon personnage. Mon personnage subit des dégâts. Ok, c'est parce que je suis en hors zone. Enfin bref, vous avez capté le délire. Hein. Dès que vous aurez marqué 10 adversaires en une seule partie avec votre drone, bah, vous aurez terminé le défi. Code créateur.